Europe 1. Écoutez le monde changer. C'est une réforme qui a mis du temps à mûrir dans l'esprit d'Emmanuel Macron et qui a ensuite connu un coup d'accélérateur après l'assassinat du professeur Samuel Paty. La loi contre les séparatismes est examinée par l'Assemblée depuis le début de la semaine. Bien au-delà de l'islam, ce texte inquiète les représentants de toutes les confessions en France. Bonjour Virginie Riva. Bonjour. Notre spécialiste religion à Europe 1. Que se passe-t-il alors qu'au départ, tout le monde semblait favorable à ce projet ? Oui, c'est vrai qu'au début, tout le monde était unanime sur l'objectif premier de la loi, à savoir la lutte contre le séparatisme islamiste. Mais ces dernières semaines, le climat a changé, s'est détérioré. Prenez les catholiques, le bras de fer sur le confinement et l'interdiction des messes n'y est sans doute pas pour rien. Et puis, les dernières déclarations du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, affirmant que les croyants devaient considérer que la loi de la République devait être supérieure à la loi de Dieu, ne sont pas bien passées. Du côté du consistoire israélite, Haïm Korsia, le grand rabbin de France, pourtant très favorable à la loi, a demandé à ce que figure dans l'article 1er du projet de loi le principe de garantie de la liberté de pratique religieuse. Non, les religions ne sont pas, comme certains voudraient nous le faire croire, des risques potentiels pour la République. La liberté de culte est quelque chose qui est consubstantiel à ce qu'est le système républicain, le système laïque, et nous revendiquons cette laïcité, il faudrait peut-être aussi le rappeler, ce qui permettrait ensuite de donner une ligne générale à l'ensemble des articles de la loi. On entend ce que dit avec force le grand rabbin de France, Virginie, mais vous nous dites que ceux qui sont vraiment vent debout contre ce texte, ce sont les protestants. Oui, et c'est un renversement historique intéressant, car les protestants, qui sont environ 2 millions en France, sont ceux qui ont toujours défendu la laïcité. Leur problème aujourd'hui, c'est que le projet de loi vise notamment à faire passer les associations religieuses musulmanes de la loi 1901 à la loi 1905, pour mieux contrôler leur financement. Dans la foulée, l'État va regarder de plus près le fonctionnement de toutes les associations de loi 1905, statut qui régit les associations cultuelles protestantes. Et ce n'est pas acceptable pour François Claveroli, le président de la Fédération protestante de France, qui voit là un risque d'atteinte à la liberté de culte. Il y a un soupçon à l'égard des religions qui nous inquiète et qui est un peu incompréhensible parce que c'est la première fois depuis 1905 que voilà, l'état d'esprit libéral et d'ouverture n'est plus respecté. Il y a exactement dans le sens de ce qu'a écrit le Conseil d'État dans son avis concernant ce projet de loi. À deux reprises, le Conseil d'État alerte en disant qu'il y a là des mesures de contrôle excessif de la vie associative pour les cultes. François Claveroli qui ajoute que nos voisins allemands, suédois, danois s'inquiètent de ce qui se passe en France. La conférence des églises européennes qui regroupe des protestants, des orthodoxes, des anglicans a prévu d'adresser sous peu un courrier d'interpellation au Premier ministre et au ministre de l'Intérieur. Dossier signé Virginie Riva à retrouver sur Europe 1.fr.